Juste quelques mots pour vous aider à réussir l'exercice G, qui est, qui est simple quand on a compris le F, puisque c'est essentiellement le même exercice. On modélise en fait le système, le système le Soleil et la Terre par deux sphères, deux sphères qui émettent un rayonnement thermique. La seule différence, c'est que l'on considère que la Terre n'absorbe pas tout le rayonnement PS, qui lui est incident, mais que la Terre a un albédo, grand A, Hein, C'est-à-dire, en fait, qu'elle n'absorbe pas toute la, 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 la puissance en provenance du Soleil, mais seulement un moins grand A fois PS. Hein, cet phénomène d'albédo est très connu, vous l'avez tous expérimenté, c'est ce qui fait que on, on peut apercevoir, on peut voir la, la Lune, la lune dans, la, dans la nuit, et c'est ce qui fait qu'on voit aussi les planètes au télescope. C'est tout simplement l'éclairement du Soleil qui est réfléchi, en quelque sorte, par ces objets. Donc, qu'est-ce qui change sur notre, sur notre résolution d'exercice Eh bien, fondamentalement, pas grand-chose. Simplement, donc, la puissance absorbée, ce n'est plus PS, la, la puissance que l'on a calculée à l'exercice F, mais 1 moins grand A fois PS. Et donc, euh, l'équilibre radiatif s'écrira 1 moins grand A fois PS égale PT, ce qui donnera une nouvelle température d'équilibre T T. Comme la Terre absorbe moins de rayonnement dans ce cas-là que dans le cas de l'exercice F, on s'attend à ce que la température t't soit inférieure à la température précédente à la température calculée à l'exercice f. Voilà.